Bonjour l'Église, nous souhaitons que bon Dieu nous ait bien nous très bien la semaine. Bon Dieu fait nos grâces, nous réunir la matin pour nous parler au même si nous sommes mérités. Et m'a profité pour me dire bonne fête Saint-Valentin à tout le monde en un moment. Nous allons invoquer nos bon Dieu pour commencer le service. Je loue l'Éternel de tout mon cœur. Je raconterai toutes tes merveilles. Je ferai de toi le sujet de ma joie et de mon allégresse. Je chanterai ton nom, Dieu Créateur. Psaume 9, verset 21. Pour nous commencer, si on vit ça, on va chanter 3 français, chant d'espérance, adorons le Père. Devant Dieu à Sion, Éternel, Dieu des armées,
Écoute ma prière. Prête l'oreille, Dieu de Jacob. Toi qui es notre bouclier, vois, ô Dieu, et regarde la face de ton main. Mieux vaut un jour de tes parvis que mille d'ailleurs. Je préfère me tenir sur le seuil de la maison de mon Dieu, plutôt que d'habiter sous les tentes de la méchanceté. Car l'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier. L'Éternel donne la grâce et la gloire. Il ne refuse aucun à ceux qui marchent dans l'intégrité. Éternel des armées, heureux l'homme qui se confie en toi. Loué soit ton amour, loué soit ta chemin, ton nom Jésus, ta gloire et tes bienfaits.
Parce que nous campons là pour faire peut-être nos valeurs, pour faire peut-être nos plaisirs.
Mais nous camper là, Seigneur, pour adorer ou en esprit en vérité. Pour nous voir gloire au nom seul. Peut-être ça la demande au Seigneur, mon Dieu, que l'Esprit Saint est capable de couvrir nous et servir avec nous dans notre dimension. Et chaque monde, Seigneur, qui a un travail à faire dans le service, à Seigneur, mon Dieu, va bénir au Seigneur. Musiciens, techniciens, mais au devant Jésus, devant le trône, bénir au Seigneur. On va couvrir avec grâce au Seigneur, mon Dieu, cacher au. Barrez au préservé au Seigneur dans tout ça que avant de reprendre Jésus, on va camper avec le Seigneur. Mes peuples à levant, Seigneur, mon Dieu, matin, touché au. Gain qui malade, Seigneur. Gain qui est dans yeux. Gain qui adressé. Gain qui en deuil, Seigneur. Gain qui parle qui savent au Père. Mais au vin, si au vin, la sienne, c'est parce que vous cherchez la vie. La vie que vous avez une pièce de l'autre côté que la carte, Seigneur. Pour cela, matin, Jésus. On va servir avec servant tout qui va camper pour parler, Seigneur, pour prêcher parole, Seigneur Dieu. On connaît soit chaque monde qui l'a, Seigneur. On va mettre des paroles dans la bouche, Seigneur, mon Dieu. On va onctionner, on va doubler, Seigneur Dieu, dans notre dimension. L'Esprit Saint, on va couvrir et toucher l'œuvre, Seigneur, mon Dieu. On met des paroles, Seigneur, paroles de guérison, paroles de réconfort, paroles, Seigneur, mon Dieu. Va permettre que la vie nous transforme, Seigneur Dieu. Maintenant, nous mettons tout en main. Mais l'église en général, le vent, du plus petit au plus grand, la jeunesse, Seigneur, qui s'est pleuré dans les Seigneur, mon Dieu. Tant pris, papa, cherchez au bout de mes côtés, oui, à mon Dieu tout puissant. Fais-en pas mieux enfant pour lui, Seigneur Dieu, qui t'a allé, qui retourné. Fais-en connaître les fêtes qu'a fait pour nous-mêmes, là, on va retourner, venir joindre nous, Seigneur. Tant pris, papa, nous prenons mieux à votre extérieur. Seigneur, fais-en connaître, Seigneur, mon Dieu, c'est la carotte qui est bon. Là, il y a la carotte bien gardée, ou bien sécurisée. Et pour ça, on nous bénédiction va pour nous-mêmes, Seigneur. Mais les dames de l'église devant, la jeunesse, les dames, Seigneur, les hommes missionnaires, le comité de l'église, non, mais on, Seigneur, tant pris, unis-nous ensemble, Seigneur, marrez-nous avec quoi qui n'est pas capable de casser avec ces codes de Saint-Esprit de Dieu. Seigneur, tant pris, fais-nous capables de l'amour, la carotte. L'amour de l'église primitive, première église qu'on te bâle comme exemple, Seigneur, pour que l'amour capable de régner parmi nous, Seigneur, et que l'un va entendre avec l'autre, l'un va comprendre l'autre, Seigneur Dieu. Papa, t'en prie, fais-nous grâce. Aidez-nous, Seigneur, mais nous remettons, Seigneur, mon Dieu, le monde entier, le monde, qui bouleversé. Seigneur, nous ne savons pas qui ça veut faire encore, mais puisque vous mémorez les bons dieux, Israël, là. Seigneur, tant pour nous qu'on ait compassion pour petit tuyau. On va faire ça qui est nécessaire. Nous ne pouvons pas commander, parce qu'on est les bons dieux déjà. Seigneur, tant pour nous, fais grâce. Fais le monde entier grâce, Seigneur. Fais on connaît les bons dieux. Parce que, Seigneur, il y a un monde qui sent troublé ou bouleversé. Mettez la paix dans le cœur, la paix dans l'esprit. La paix, Seigneur, mon Dieu, que le monde n'a pas bail. Mais la paix que vous-même vous baillez, Seigneur. Tant pour toucher nos matins, Seigneur. Visitez-nous, Seigneur. Nous soyons présents. Parce que sans présence, Seigneur, nous ne pouvons pas vivre. Sans même, Seigneur, nous ne pouvons pas vivre. Tant pis, touchez nos matins. Fais-nous sentir qu'il y a des mains. Fais-nous sentir qu'il y a passé dans nos têtes. Parce que nous soyons, Seigneur. Dirigez-nous, Seigneur. Donnez plus que nous. Pas qu'il y ait nous seuls. Nous prions au nom de Jésus qui vient qui règne au siècle des siècles. Amen et amen. Si c'est pas grâce.
nous adorer, Seigneur, nous avons. Liberté plus que ça n'a pas de vie. Et c'est une grâce qui fait de nous marquer en tant que Seigneur. Tout ça n'a pas de la vie, nous avons par exemple que nous dire merci, mon Dieu. Merci, mon Dieu, pour ce que tu as fait pour nous. Que ce soit pour ce que tu as fait pour nous. Dieu nous a mérité. Nous méritons plus de ce jour. Nous allons dire ça. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. À la grand Seigneur. À la grand Seigneur. Au digne de gloire Seigneur. Au digne de gloire Seigneur. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. À la de me chanter 26 créoles, chant d'espérance pour nous louer mon Dieu matin. Thank you.
chaque dimanche, nous souhaiter une bonne fête parce que la vie dans le monde. Et bien, je dis à nous une bonne fête Saint-Valentin. Pas oublier célébrer l'amour. L'amour que bon Dieu gagne pour nous et l'amour que nous gagnons l'un pour l'autre. Et nous allons continuer avec le service pendant que nous allons lire dans l'évangile de Marc. Et Marc chapitre 9, verset 2 à 13. L'évangile de Marc. Chapitre 9, verset 2 à 13. Et cette lecture, c'est Jésus sur une haute montagne, la transfiguration. Et si vous joignez, vous pouvez bien ensemble avec nous. Six jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean. Et il les conduisit seuls à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Ses vêtements devinrent resplendissants et d'une telle blancheur qu'il n'est pas de foulon sur la terre qui puisse blanchir ainsi. Élie et Moïse leur apparurent, s'entretenant avec Jésus. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, « Rabbi, il est bon que nous soyons ici. Dressons trois tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Car ils ne savaient que dire. Les froids les avaient saisis. Une nuée vint les couvrir. Et de la nuée sortit une voix. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Écoutez-le. Aussitôt, les disciples regardèrent tout autour. Et ils ne virent que Jésus seul avec eux. Comme ils descendaient de la montagne, Jésus leur recommanda de ne dire à personne ce qu'ils avaient fait, jusqu'à ce que le Fils de l'homme fût ressuscité des morts. Ils retirent cette parole, se demandant entre eux ce que c'est que ressusciter des morts. Les disciples firent cette question. Pourquoi les scribes dirent-ils qu'il faut qu'il vienne premièrement? Il leur répondit, Élie viendra premièrement et rétablira toutes choses. Et pourquoi est-il écrit du Fils de l'homme qu'il doit souffrir beaucoup et être méprisé? Mais je vous dis qu'Élie est venu et qu'ils l'ont traité comme ils l'ont voulu, selon qu'il est écrit de lui. Ça, c'est parole bon Dieu pour que bon Dieu. Amen. Amen. Et maintenant, d'après calendrier chrétien, eh bien, dimanche, nous avons célébré ce dimanche de la transfiguration. Et nous, l'élection, il y a approprié pour ça. Mais en une fois, nous lisons passage ça, et puis nous posons cette question, qui ça voulait dire? Pour qui ça transfiguration? Pour qui ça pouvait arriver? Et Marie-Anne nous veut dire, qui message qui gagnait dans la transfiguration? Qui message est le message de la transfiguration? Et c'est un bagage qui fait nous réfléchir en pile, en pile. Mais ça nous commence pour nous parler. Avant Jésus-Christ était monté, il était grand avec lui, Pierre, Jacques, avec Jean. Et puis il était monté sur une montagne qui est bien haut. Et puis c'est là, il changeait sous l'eau. Il changeait. Il dit, non seulement changer, mais là, tellement clairé, la vie tellement blanc que pas bien aucun Clorox bleach en lien qui était capable, qui gagnait sous la terre, qui était capable de faire la on toile changer couleur blanc ça. Pas rien qui t'a rendu toile blanc dans façon la Jésus t'est changé.
fois nous poser telle question, Élie avec Moïse, c'est vous qui t'aimez longtemps. Comment Jean avec Pierre fait reconnaître que c'est Moïse avec Élie qui est avec Jésus? Et bien, nous poser telle question, qui Jean, mon qui mourit, yo connaît que mourit. Alors, nous disons, yo connaît que mourit, yo pas connaît que mourit. Parce que l'histoire dit que Moïse mourit sous mon nom, mais pas le monde qui compte qui côté l'enterré. Yo pas oué pour Moïse pour yo t'enterré, yo seulement dit, bon Dieu, enterre Moïse sous mon nom, avant que le peuple ait déplacé pour y aller là. Et yo oué, c'est Moïse. Nous pas vu insulter mon hôtel, nous dit pas de photos. Mais nous a dit que même les téléphotos, pendant tout le temps ça, comment est-ce que photo a subsisté pour être capable de photo Moïse? Mais immédiatement, vous parlez, vous connaissez, c'est Moïse et c'est Élie. Et bien ça, rentrer, faire nous venir penser en pile pour nous dire, nous connaissons Moïse mourir, mais est-ce que Moïse mourit? Est-ce que oui? Et c'est même bagaille qui vient passer là, nous regardons le prophète Élie. Prophète Élie vive, il vit depuis sous ton royaume. Et puis pour nous voir que c'est Élie, mais ça t'est passé avec Élie. Et bien, Élie, il monte dans le ciel, il monte dans le tribunal. Et ils étaient là qui témoignaient. Et ils montaient dans le tourbillon et puis ils quittaient le manteau à lui. Et avec le manteau, ça, et ils étaient là, puis miracle, mais miracle qu'ils étaient en fait. Et ils ont songé que Élisée était levé, Élie était levé pour mourir. Il était levé pour mourir. Et bien, c'est un prophète extraordinaire. Et c'est pas non seulement. Et yo pas connaît, yo tenté parler de lui parce que yo connaît la loi. Et là yo wè Jésus-Christ avec Élie, avec Moïse, yo pas comprendre qui ça veut dire. Yo pas comprendre. Mais Jésus avant même que Jésus-Christ monte dans le monde, il te dit yo, il vient pour mourir. C'est une vision. N'a jamais même compris. Ouais, Jésus-Christ qui transfiguré avec Élie, avec Moïse, et bien ça nous-mêmes, c'est vision de la résurrection de Jésus-Christ. Et nous dit cette vision de la résurrection de Jésus-Christ, c'est nous qui a expliqué pour nous dire que Moïse, Jésus-Christ vini, il vient accomplir la loi. Qui la loi Jésus vient accomplir? La loi que vous devez donner à Moïse pour le peuple Israël. L'Ivini sous figure Moïse parce que Moïse t'a délivré le peuple Israël de l'esclavage. Jésus-Christ vient pour délivrer nous de l'esclavage. Et mon Dieu t'a fait discipline, non seulement elle, mais pour nous écrire pour nous-mêmes, pour nous réfléchir sur lui. Mais qui nous Jésus-Christ est? Jésus-Christ représente la loi et Jésus-Christ représente la vie, la grâce que nous joignons dans mon Dieu. L'Ivini, oui. La loi fait place à la grâce. Moïse à Jésus-Christ. Eh bien, Moïse finit, lui paraît bon côté Jésus-Christ. Pour faire qu'on est légitime, que Jésus-Christ est légitime. C'est le monde bon Dieu voyait à même. Et lui finit avec la loi. Lui finit pour accomplir la loi. Lui finit pour le délivrer, non seulement pour retirer en bas esclavage, on voit qu'à faire passer les airs, mais pour faire nous sortir en bas esclavage péché. Et ce problème, ça a juste été de Jésus-Christ venu, parce que dans la tête par l'heure, c'est Jésus-Christ qui a venu comme Moïse, mais puis il faut passer Moïse pour venir chasser au meilleur, et puis pour bailler la délivrance, mais Jésus-Christ n'a pas délivrance. Jésus-Christ est venu pour délivrer nous en bas péché. Il est venu pour délivrer nous en bas méchanceté. Il est venu pour délivrer nous en bas désobéissance. Et il est venu pour faire nous connaître qui nous bon Dieu est. Et c'est là qu'il est venu en place. Parce
que là nous apprenons Israël, et bien Élie c'est lui-même qui te fait pas Israël retourner connaître bon Dieu, retourner servir bon Dieu. Les rois te conduit peuple là dans adorer et vouloir. Yo fait vouloir, roi fait vouloir, et puis il met le peuple là pour adorer roi Akan. Et bien, il était venu, et il est venu, il dit, roi comme ça, et bien, moi, je voulais que mon Dieu voyait moi, et bien, pour m'y avoir dit ça, nous l'a fait. Parce que je dis, nous besoin connaître qui mon Dieu. Nous besoin connaître qui ça nous a dit. Et il invité, il invité 450 prophètes que roi lui-même t'a mis des prophètes. Que roi m'a mis des pour mettre un prophète, il n'y a pas un an pour plévite, il prend yo, il prend moun, moun qui a envie, ou envie prophète, et même mettre au prophète. Ou envie pasteur, et même mettre au pasteur. Pas ni à peine. Il a envie prophète, il met au prophète. Et puis, il y a un pile prophète, il dit qu'il y a un prophète Baal ensemble avec lui, parce que madame, je ne sais pas, et bien, il dit, c'est pas qu'elle s'est servi. Et lui-même, c'est ça qui t'est servi. Et bien, il dit, en aller, en a fait un sacrifice pour ton sacrifice à Dieu, et bien Dieu que bon Dieu voulait sacrifice là, et bien Dieu ça c'est bien tout bon Dieu. Et bien 450 années, yo relé, yo bon prier Dieu, yo prier, yo prier, yo prier, en y a pas jamais. En y a pas. Et puis tout le peuple là, là a suivi parce que c'est tout le monde. Et bien tout le peuple là, là ensemble avec tout et le prophète que à part lui-même choisi. Et bien, il était midi depuis le matin, il a prié, 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 et bien, il n'y a pas jamais fait. Et puis, Bef l'a arrêté sur l'hôtel là. Quand il y a eu lui-même, il prend Bef, il fait choisir la vie de Bef, il ne pas dire que Bef parle là, on va rester spécial. Il dit, mais que Bef choisit pas. Il ne choisit pas, il a quitté l'autre chambre. Qu'on y a démonté l'hôtel, on monte. Qu'on y allait, on y a pas fait. Et il décidait qu'on y a voulu faire sacrifice. Il prend 12 roches qui représentaient 12 tribus d'Israël. Il mettait le rachet l'hôtel, il coupait et il mettait le mettait sous l'hôtel. Qu'on y allait faire vider l'eau, mouiller, mouiller, mouiller. Ça veut dire, l'aigle de l'eau, dit fait pas pour passer par là. Dit fait pas pour passer l'aigle de l'eau, mais il fait rien, il dit fait ça. Les boulets ni Befla, ni Rocheau, ni Vloa, ni Terre. Les boulets tout pareil. Et puis elle dit, même mon Dieu, pour nous servir. Et l'un fil dit ça, tout peuple à le connaître. Miracle ça arrivé devant moi. Et bien le tournait une jeune pensée. Le tournait une jeune pensée. Et bien, Jésus-Christ finit pour faire nous tourner. Et cette image ça que Jean avec Pierre témoin, mais que vous pas capable de comprendre. Vous pas capable de comprendre la présence Élie avec la présence Moïse, avec Jésus-Christ, et comment vous avez la drôle. Et c'est très bien. Ou imaginez, vous avez marché, vous marcher dans la rue, et vous avez dit, 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 nous quand t'as dit ça, mais moi bah ils sont là déjà que un pasteur et bien t'as marché mon péché t'as brûlé et bien t'es quoi là mon amen, mon qui te voit là où il est pas mon amen. Et les mêmes nous peuvent connaître c'est que mon amen. Mais nous connaissons Jésus-Christ et connaissons mon amen parce que mon ça y est, il t'est venu pour faire disciple connaît qui mon Jésus-Christ est, qui ça Jésus-Christ représente et qui Jean Jésus-Christ venu non seulement pour lui bailler la vie, pour mettre la loi dans lui-même, mais en même temps tout, pour lui capable mener devant mon Dieu. Et lui monter, et Jésus-Christ lui fait connaître tout, que non seulement avec Moïse, que mon Dieu était enterré, personne ne va jamais croire, et bien nous ne pouvons pas Jésus-Christ. Avec lui qui montait dans le ciel, et bien Jésus-Christ vient pour lui monter dans le ciel, tout vivant. Et c'est ça nous qui parlait. Les Jésus-Christ
délivrance pour nous. Délivrance pour nous quitter, pour nous pour la loi, pour Dieu a caillé dans le cœur. Pour nous capables de jouer une délivrance que bon Dieu voyait pour nous. Pour nous pas arrêter en bas péché, en bas condamnation, la chair. Mais pour nous capables de faire délivrance, pour nous capables de faire liberté et pour nous capables de venir dans l'autre monde que le bon Dieu relève nous, nous-mêmes, pour nous transformer. Même Jean et Jésus-Christ promettent nous, nous mourir, la vie chercher nous. Nous pas qu'à monter avec vos chers âmes, nous pas qu'à monter sans l'Esprit bon Dieu, nous pas qu'à monter si nous pas fait obéir avec la loi de Dieu. Eh bien, pour nous dire, ça nous a dit, c'est que vision, transfiguration, ça, c'est vision glorification de Jésus-Christ. L'aile va mourir. Mais non seulement qui ça nous représente, mais qui j'en ai tourné pour le pagaille. Pour te faire connaître, même j'en ai dit, on va mourir, mais dans trois jours, je vais lever. Eh bien, il mourir, il est levé. Mais pour nous montrer que, tu sais que je comprends, peut-être que je comprends, je dis comme ça. Scribe, je dis, et il y a pour venir. Parce que la première question que vous posez, il y a posé cette question dans le verset 10, il n'y a aucune des paroles dans la tête, il lui a dit, qu'est-ce que ça veut dire, ressusciter des morts? Il faut que j'entende ça là. Il faut que j'entende. La Bible a beaucoup même dit, ou même parler de ressusciter des morts. Mais là, Jésus dit, puis gardez personne ça, jusqu'à ce que moi, les vaisseaux tiennent dans la mort, moi, ressusciter des morts. Et bien, il parle au pouvoir, il fait au monde. Vision, pas parler, pas avant que vous l'ayez sauté dans la mort. Et puis, c'est là ça fait sens pour nous. Il n'y a pas de prophétie pour nous. Il n'y a pas de sens pour nous. Parce que dans la tête, il faut qu'Elie tourne. Et bien, Jésus-Christ dit, Elie tourne déjà. Elie tourne déjà, il fait sa vie avec lui. Et Jésus-Christ est préparé le Jean-Baptiste. Il même Jean avec Élie, il t'a pas fait nous connaître, faut que nous repentions, faut que nous tournions vers Jean bon Dieu, parce que le Seigneur, il est loin. Jésus-Christ pas loin, Christ pas loin, Messie n'est pas loin, nous besoin pour tourner vers Jean bon Dieu. Et c'est ça qu'Élie t'a fait. Il dit tournez vers Jean bon Dieu, suspend à nos barres, suspend à nos astabies, suspend mettez genoux devant Dieu. Vaudor. Et on peut s'arrêter suspendre parce que bon Dieu vivant. Eh bien, bon Dieu vivant, les vivants pour le temps et pour l'éternité. En pile fois, nous perdons nous. En pile fois, le peuple Israël perdons nous. Perdons nous. Mais où il y a la parole là, bon Dieu prend nous et pour nous mettre dans la vie, dans la couronne, et puis pour nous capables de transformer la vie. Et c'est passeport pour l'éternité. Passeport pour l'éternité. Et je dis à nous comprendre qui est mon Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est la loi de la parole faite chère. Mais c'est la loi que nous venons pour écrire dans le cœur. Mais c'est l'Esprit de Dieu qui va faire connexion pour nous-mêmes entre ciel avec terre. Et lui est monté. Mais pour nous, Jésus-Christ, lui est monté, il ouvrit toute la lumière pour nous. Pour nous capables de monter tout après que. Et bien, quand il y a nous a dit, même là, tout le monde dit, pas grand y a encore, nous avons appris les gens qui disent, et pas grand y a encore, non, tout le bagage est sous terre, les poumons et tout le bagage est fini. Est-ce que moi-même, avant, nous avons dit ça? Nous n'avons pas dit, parce que Jésus-Christ montre une route là. Il est venu, il montre qui j'en ai montré. Et il montre qui j'en ai montré. Il faut que nous ayons parole là, et il faut que nous ayons l'esprit. C'est tous les deux qui connectent ensemble, qui fait Jésus-Christ lui-même, lui monter, et bien nous-mêmes, nous, il faut qu'on gagne la loi qui est dans le cœur, l'Esprit de Dieu qui est dans nous-mêmes, qui a libéré nous et qui va faire nous monter pour nous réjouir, même Jean, Jésus-Christ monter, glorieux, nous-mêmes, nous, pour nous réjouir ensemble avec lui. Dans les mots réfléchis maintenant, commencez depuis jeudi à réfléchir. Qui ça
ça ça fait pour vous, est-ce que vous même ou pas ta remettre des photos ça ou autour tout et qui vous dit mais qui vous m'aille aujourd'hui ou pas rien même j'en content de dire que vous voyez moi venir chercher mon et moi traîner l'idée ou la pousser ou la marcher ou bien bon photo la marcher ou pas besoin de monde ou besoin parole avec l'esprit de Dieu qui pour entourer vous et puis pour quand même vivre pour pas peur encore et si je dis comment bien si je dis à le cœur parole la vérité à écrit dans cœur si je dis à l'esprit de Dieu dans vous même ou pas rien pour peur rien parce que vous déjà entouré ou déjà entouré et puis vous faire vous pour ciel là Jésus-Christ est venu faire disciples au monde que l'amour a libéré et dit au ça et de faire faire connaître qui ça lui-même nous représente et qui j'en ai même le cas participer là dans tout et nous même je dis message assez pour nous lier message transfiguration c'est message qui fait nous connaître que bon Dieu ban nous chemin la vie les banons la manne qui paye la vie, ça nous est baillé. Jésus-Christ vient baillé d'une autre façon. Jésus-Christ dit, disciple, ça, Moïse, c'est moi de manger. Les banons la manne, même c'est la manne qui saute dans le ciel. Eh bien, manger la manne, ça, que mon frère. Et si nous manger, nous ne pouvons pas chambre. Si nous gagnons, nous ne pouvons pas chambre besoin. Nous avons tout ça. Et maintenant, encouragez-vous. Ouvrez le cœur pour la parole capable d'entrer là-dedans. Ouvrez le cœur pour la grâce pour Dieu capable d'aider ou de comprendre. Et ouvrez le cœur pour accepter Saint-Esprit pour Dieu. Et le savoir. Expérience que Jean, Jacques, avec Pierre qui fait, on va faire expérience ça. Mais on ne peut pas trembler, jamais te trembler. Mais c'est content, content. L'on fait expérience ça. Que bon Dieu bénisse. Amen. Et qu'on y a, à nous préparer que pour la prière. Pendant que nous allons chanter ensemble avec moi. Chanter, chanter.
Vous devez comprendre, Seigneur, qui j'en tenais pour ressusciter et qui j'en ouvre pour le ciel là pour nous bénir dans la porte. Et maintenant, je vous que gloire ça, pour te révéler avec nous-mêmes, que nous capables de gloire ça, pour nous capables de vivre, participer dans la gloire ça, et pour nous capables de chercher pour nous vivre en façon de faire plaisir, pour nous capables de jouer. Et maintenant, Seigneur, nous demandons que Saint-Esprit va avec nous, Saint-Esprit va marcher, Saint-Esprit va parler, et Saint-Esprit va guider et diriger. Dirigez-nous dans ça, nous va dire ça, nous va faire. Dirigez-nous dans ça, nous va penser. Et maintenant, nous pouvons ouvrir nos amis, afin que, Seigneur, l'évangile doit être capable. Seigneur, nous demandons qu'on va bénir tout ça, que vous-même t'es créé. Et on va faire que je savais un jour nouveau pour nous dans la vie. Parce que nous va faire le compte ensemble avec vous. Et on va guider avec nous et bénir. Pour ça, nous prions dans nos papas, petites grâces des Seigneurs. Amen. Et pour nous, nous va clôturer avec chant. Moi, bien content que papa me l'ancien. C'est 17 créoles et chants. Les enfants, les conjoints.